Voici l'histoire d'un jeune moine au destin un peu particulier. Ermite au fin fond de la Bretagne qui revint au monde pour prêcher. Il ne retint des évangiles que le principe de communauté, le don de soi au plus fragile, de l'amour rendu sacré. Chante damoiselle, en tout honneur et tout bien. Robert d'Arbrisselle, en chaste et bon chrétien. Tu aimais les dames et les jouvencelles, et elles te le rendaient bien. Très vite autour de lui s'assemblèrent des gens de toutes les sociétés, des femmes, des hommes qui tout quittaient. L'avoir entendu parler du paradis possible sur la terre pour les âmes de bonne volonté, se vouant à la Sainte Mère et son règne ressuscité. Lui qui n'était qu'un solitaire, le voilà qui se retrouve entouré d'une compagnie peu ordinaire, dormant sous le ciel étoilé. Blottis les uns contre les autres, suivant la voie des bons apôtres, la tendresse à tous partagée. Robert d'Arbrisselle, tu faisais des câlins aux jantes damoiselles, en tout honneur et tout bien. Robert d'Arbrisselle, en chaste et bon chrétien, tu aimais les dames et les jouvencelles. Mais la vie devint plus austère, les câlins peu à peu prohibés. L'église craignant que ne dégénère ses chastes étreintes passionnées, après sa mort, ils préférèrent peu à peu plutôt l'oublier. Tous ceux qui prônent la peur de la chair n'ont en fait tout simplement pas compris qu'ils luttent contre les maux qu'ils génèrent avec leur pudibonderie. Ils veulent la paix mais préparent la guerre, en frustrant les saines envies, poussant les hommes à la colère, les éloignant du paradis. Robert d'Arbrisselle, tu faisais des câlins aux chantes damoiselles, en tout honneur et tout bien. Robert d'Arbrisselle, chaste et bon chrétien, tu aimais les dames et les jouvencelles, et elles te le rendaient bien. Et si nous suivions ce bel exemple, redéveloppions la sensualité,